Yo les gars, donc aujourd'hui je vais vous faire mon scooter check. Tout d'abord, pourquoi un scooter check? Parce que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo à cause de la pluie, donc du mauvais temps. Je vais vous montrer ça. Voilà, en ce moment, je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Je voulais aussi vous dire merci pour les 8000 abonnés sur ma chaîne, ça me fait très plaisir. Et donc je vais essayer de refaire des vidéos plus souvent. Et dites-moi quel genre de vidéo vous voulez que je fasse. Et si ça vous plaît comme scooter check, comme type de vidéo, bah mettez un pouce bleu en l'air comme ça. Donc, on va commencer. Merde. On va commencer par le haut. Poignée Audi. Audi soft, très confortable. Ensuite, barre Raptor, comme vous avez pu le voir, je viens de la couper. Je l'ai eu par AO, donc ils m'ont donné. Elle est vraiment très bien. SCS Tilt, donc à la base c'était un tilt rouge que j'ai eu il y a 4 ans. Et donc maintenant, regardez comment il est. Donc vous avez pu voir aussi, c'est moi qui l'ai chromé moi-même. Donc le rendu est plutôt pas mal et il sert très bien. Ensuite, c'est une coupelle tilt, mais c'est un jeu de direction éthique. Donc pareil, il tourne très bien. Une fourche AO, A-Forks, pareil, très bien, j'ai pas de problème, elle est pas tordue, elle tient très bien. Les roues, c'est des Roots en full corps avec des roulements ABX5, je crois. Des pegs éthiques, acier à gauche, alu à droite, avec un petit pegs alu à l'arrière aussi. J'ai juste pris un grand axe et j'ai mis plein de rondelles entre le bord de la roue et le bout du deck pour ensuite mettre le pegs que j'ai coupé au bout. Pour finir, donc le deck AO Quadroom. Je vous avais déjà fait une vidéo de présentation il n'y a pas longtemps, donc si vous voulez la voir, je vais mettre le lien en haut de la vidéo normalement. Avec un petit grip que j'ai nettoyé aussi. Donc je vais vous faire un drop test pour montrer tout ça.